Et coucou tout le monde, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture. Je vous explique. Nous sommes le jeudi 9 décembre et je vais faire un vlog aujourd'hui de A à Z, voir si j'y arrive à vous faire un bon vlog aujourd'hui. Donc, attendez-vous à ce qu'il soit long. Bref, là il est actuellement 7h41 à l'heure où je vous parle, mais sachant que je me suis levée à 6h grâce à mon chat Panka qui est venu me réveiller alors qu'il pouvait attendre une demi-heure de plus. Bref, c'est pas grave, je suis debout. Donc voilà. Donc je vous explique. Donc je suis actuellement en train d'attendre dans ma voiture pour récupérer des enfants et les déposer à l'école. Et à la suite de les avoir déposés, je rentre à nouveau chez moi. Enfin, disons que je dois passer d'abord au laboratoire pour quelque chose qui est... Donc, je disais quelque chose de rien de grave. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un membre de ma famille. Voilà, donc là, j'ai un petit bonnet, ma petite écharpe, parce qu'il fait pas très très chaud. Donc, là, je suis en train d'écouter de la musique. Et je peux vous cacher que je suis en train d'écouter du Eva Queen. Non, là, j'ai coupé le son de la musique exprès, mais je vous mettrai des petites stories en train de manger de bon matin. Il y a des gens qui passent. Pardon, jeune fille. Et du coup, voilà. Donc, je vlog tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le concert de Eva Queen. J'adore Eva Queen. De là à dire que je suis une grande fan, oui, on va pas se le cacher, je suis une grande fan, j'adore. J'en écoute. Voilà. Et puis c'est ma meilleure amie qui m'avait offert les places pour aller avec une autre amie qui était censée venir avec moi. Malheureusement, c'est une autre de mes amies qui m'accompagne ce soir au concert de Eva Queen. Donc je suis quand même contente, je n'y vais pas toute seule. Donc voilà. Donc on commence en gros cette journée très très matinale. On va pas se le cacher. Donc, je pense que quand je vais rentrer chez moi, je vais donner ce que j'ai à donner aux membres de ma famille. Puis ensuite, je vais essayer d'aller faire quelques emplettes de courses parce que très clairement, je ne sais pas ce que je vais manger à midi avec mon papa. Bref, puis aller me recoucher un petit peu parce que je pense que sinon je vais pas tenir jusqu'à ce soir, sachant que je récupère les enfants plus tard dans la journée, mais ça vous le verrez plus tard. Voilà. Tu sais, les histoires de love, c'est pas mon délire. Depuis j'ai guéri. En vrai, ça c'est pire. Final, on s'épuise. Les histoires de love, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Ce qu'on s'est dit hier, sans toi le monde tourne à l'envers. C'est toi et moi contre le monde. Ils arrêtent pas de parler dans mon dos. La vie d'artiste c'est pas toujours beau, mais grâce à toi je serai jamais solo. C'est toutes des jalouses, elles veulent me pousser à. On n'a pas le même parcours, bientôt le monde sera à nous. Bon, re tout le monde, il est actuellement midi 54. Je vlog encore une fois avec mon téléphone. Voilà, rien de mieux. Donc là, ben, je mange dans ma chambre, je gère mon père aussi, masque obligatoire. Bref, je vais pas m'étaler dans ce vlog sur ce sujet-là. Bref, dans tous les cas, ce que je sais, c'est que je ne peux pas bosser pendant une semaine. Ce n'est pas moi, mais un membre de ma famille qui est malade. Voilà, là actuellement, ben, du coup, on mange tranquillou mielou. J'ai une copine qui va me faire les courses, elle vient tout à l'heure, ce soir. Je vais toujours au concert de Eva Queen, il n'y a pas de problème. Voilà, et que vous dire de plus? Ben là, je vais manger, donc du coup, je vais vous montrer ce que je vais manger. Donc là, j'ai fait cramer très clairement un petit peu le cordon bleu
Ensuite, j'ai mangé un petit peu de pâté, j'ai mon petit morceau de pain avec. Je vais boire ça et avec de l'eau, bien évidemment. Et donc, je disais quelques petites tomates cerises qu'il y a derrière. Voilà. J'ai mon ami qui vient tout à l'heure avec qui je vais au concert ce soir sans aucun problème. Voilà, comme je vous le disais. Et du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai été obligée de faire un test antigénique qui est négatif. Donc voilà, pour pouvoir aller au concert ce soir. Ensuite, j'avais un truc à vous dire, je ne me rappelle plus. Ah oui, le calendrier de l'Avent, je ne sais plus si je voulais ouvrir. Enfin, rien à voir, mais je vous montrerai dans mon vlog le calendrier de l'Avent Sephora. Que j'ai ouvert, sachant que vous l'avez pas vu en vlog forcément parce que je vais pas des vlogs masse de Noël. Bref, donc voilà. Bon, je vous dis bon app. On va chauffer la salle un peu, on va chauffer la salle un peu. On y va les deux. Ah, we want only, ah, only, ah, only, ah.
Jusqu'au 15 décembre parce que ma maman était malade, donc rien de grave, voilà, elle est en train de se soigner. Bref, je vais pas débattre là-dessus sur mon blog parce que de toute façon dans tous les cas là-bas ça me concerne pas trop, mais voilà, je voulais en parler brièvement. Donc ben aujourd'hui je gère encore une fois toute la maison, je vous avoue que je suis fatiguée très clairement, donc voilà. Là, j'ai fait ce matin le ménage, tout ça. Bref, en tout cas, que vous dire de comment ça s'est passé le concert de Eva. Alors, le concert de Eva. Donc, le concert de Eva, ben, comme vous l'avez vu dans les images, j'ai pas partagé tous les extraits. Ça s'est vraiment super bien passé. Franchement, je trouve que c'était la folie. J'en ai fait des concerts, des spectacles et tout ça. Et le concert de Eva Queen voilà, on va pas dire Eva Queen. Bref, franchement, c'était vraiment la folie. C'est un concert aussi que j'ai adoré. Et Dieu sait combien j'en adore, des spectacles ou des concerts d'artistes et tout ça. Mais là, vraiment,
pas photo, il y avait de l'annonce de fou. C'est vraiment génial. Bon, par contre, mes jambes n'ont pas assumé à la fin parce que très clairement, j'ai des soucis au niveau de rester en position debout. En même temps, vous me direz, ben, il va falloir prendre des places assises. Ben non, j'ai pris les places debout, j'assume. Voilà. Mais au moins, je me suis éclatée avec mon amie Charlotte. Voilà. Vous l'avez vu de toute façon, encore une fois, dans les images. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Là, je pense que je vais terminer quand même ce vlog ici. Je voulais quand même vous faire un petit débrief. Et si Eva passe par mon vlog, ben, coucou à toi. Voilà. Rien de plus à vous dire. À part de passer une excellente journée et soirée à vous, peu importe à quel moment vous verrez mon vlog. En tout cas, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peut-être un prochain vlog, qui sait, ou toute autre vidéo pour un peu innover tout ça de ce que vous voyez sur ma chaîne YouTube en général. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et surtout prenez soin de vos proches, c'est très très important. Bye bye.